Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite session iBanker, histoire de se faire plaisir, hein, parce que bon, on sait très bien que souvent à la batterie ça va un peu plus vite, mais là c'est histoire de, et puis de retester quelques petites modifs que j'avais faites. Donc, on va passer deux sauts. On en a déjà passé, hein, quelques-uns. Voilà, on peut s'apercevoir que il y a du lourd, il y a quelques petite paillette, toute petite par ici, là, c'est de grossir, voilà. Donc on va passer nos deux seaux. Il y en a une qui se cache, je sais pas si vous la verrez, elle se cache ici, voilà, ici, voilà. Donc on va continuer, on va passer nos seaux et puis on va voir ce que ça va donner. Allez, je vous reprends tout à l'heure. C'est parti. Et voilà, allez hop, oui, on peut charger, en mettre partout. C'est parti. C'est pareil, si certains se posent la question au niveau du Dream Mat et puis en haut un tapis, un Gold Hall, hein, même avec l'effet de vague ou quoi que ce soit, les paillettes elles bougent pas. Hein. J'ai fait l'essai, j'ai fait les tests et dans la partie basse j'ai quasiment pas de perte. J'ai mis une bâtée test, hein, et aucune paillette dans la bâtée. Hein. Ça marche très très bien, il n'y a pas de souci, même avec une vague ou quoi que ce soit, les paillettes elles bougent pas. Alors là, on vient de passer un saut, enfin, oui, un bon saut, on va dire. Je charge pas tout de suite, oui, deux secondes. Voilà, je vais reprendre la caméra. Alors, le système est un peu archaïque, hein, mais c'est un bidon plastique de récupération. Le flux passe ici. Voilà, le flux passe ici.
une petite grille pour récupérer les cailloux, les trucs comme ça, mais bon, on tamise là pour l'instant, hein. C'est plus simple. Voilà, et puis ça descend dans le bac plastique en bas avec une ouverture et ça continue par là. Voilà. Donc, si vous voulez voir, si je fais comme ça, voilà, l'eau circule bien par le bas, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, pour vous faire voir hein, que ça ne bouge pas, il y en a une qui vient d'apparaître, une jolie. Voilà, hop. Elle se trouve ici. Vous devriez la voir normalement. On va faire la, le point. Elle est là. Voilà. Une autre. Ici. Et puis. Bon, et puis après le reste, voilà, j'ai à peine assez nettoyé, mais bon. Il y en a, c'est le principal. Voilà. On va continuer. On va passer à un autre seau. Et comme vous pouvez voir, ici. Le principe, c'est un seau percé par le bas avec, pour limiter le flux d'eau, des petits caoutchoucs. Comme ça, ça va pas trop vite. Et c'est un seau percé. Voilà, c'est un seau percé. Une petite vue sur la partie basse. Et je peux m'en servir comme rampe aussi, en démontant facilement. Bon alors voilà, là j'ai fait un premier nettoyage. Alors je vais vous faire voir rapidement, hein, parce que... On voit quelques jolies là. Arrêter là hein, pour faire le tri, mais voilà, on en voit quelques jolies avec quelques renards aussi. Et on va rattaquer pour une deuxième partie.